Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Mishmat. Amra Benra Benchana, Peggy Batester, Zara Ben Madaltov, Shishportish, Simon Batlenu, Echel Novikov, et aussi une fois, Ruth Bat Claudine, Reina, et Simcha Bat Mosudi, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shuvot, Peridalet, Mishnachet. Mashbia, Ani Alechem, Imlotavou, Uteiduni, Shamar, Ishploni, Neteni, Mataim Zuz, ולא נתן לי, הרי אלו פטורין שאין חייבין אלא על תביעת ממון כפיקדון. משנה, très simple, ça va compléter les משניות précédentes. Jusqu'à maintenant, on parle de la Shvuat Haedut. Deux témoins qui connaissent un témoignage ont un devoir de venir témoigner au Bet Din. Si le plaignant vient et leur impose les assermentes de venir témoigner au Bet Din, c'est-à-dire, il leur dit, si vous ne venez pas témoigner, vous transgressez l'interdit de Shvuat, il est... et que eux nient au Bet Din, donc ils seront psoulim à témoigner à l'avenir, alors ils seront passibles d'un korban particulier, qui est le korban de la Shvuat Haedut, korban khatat ole beyored. D'accord ? On a appris dans la Mishnah précédente que l'on est passible de ce korban que si on nie une Shvuat Mammon, c'est-à-dire une Haedut Mammon, un témoignage par lequel les témoins auraient pu aider le plaignant à récupérer de l'argent. Et on est entré dans tout cas, toutes sortes de cas de figure particuliers où il n'y a pas vraiment de l'argent, il y a un chiouf knas, une amende, il y a un chiouf d'argent indirect, c'était l'argent avec c'était l'histoire avec le Cohen. Et d'accord, on avait appris de tout ça que, puisque ce n'est pas une réclamation franche d'argent, mais c'est indirectement, ça peut aider à récupérer de l'argent, donc ils ne seront pas passibles de la corban, du corban Shvuat Haedut. Ben, la Mishnah continue avec un autre cas assez original en fait. Je vous impose par serment, Imlo tavou uteiduni, si vous ne viendrez pas pour témoigner pour moi, Shamar ishploni litani mataim zuz, que un tel m'a promis ou m'a même juré de me donner de 200 zuz, de me donner de l'argent 200 zuz, velonatani, et il ne me l'a toujours pas donné, soit. Vous allez me dire, cette fois-ci, c'est une vraie réclamation d'argent. Il a promis qu'il allait me donner de l'argent. Lui, il m'a même dit, mais moi, je t'ai rien dit. Je t'ai jamais dit que j'allais donner de l'argent. Et il m'a même assuré que si je lui apporte des témoins, qu'il me donnera cet argent. Ouais, même ça, c'est inclus dans la Mishnah. Et donc, je demande aux témoins, venez témoigner. Vous avez bien vu qu'il m'avait promis 212. Venez témoigner en ma faveur. Aré et loup tourin. Eh ben, s'ils nient, ils seront dispensés d'apporter le korban. Je vois ta doute. Pour quelle raison? She'en chayavin ela al tviat mamon kapikadon. La Mishnah nous donne ici la grande règle qui concerne en fait toutes les Mishnahs précédentes, que l'on est passible du korban de Shvuat Haedut que si c'est une tviat mamon kapikadon, si c'est une réclamation d'argent franche kapikadon, comme ce qu'on a vu dans la Shvuat Apikadon. C'est quoi la Shvuat Apikadon? Alors quand on va arriver au Perek Hey, on va mettre le zoom dessus. Les premiers mots du Perek Hey, c'est justement Shvuat Apikadon. Non, Gad Banachim, vous comprenez? On va parler de la Shvuat Apikadon. De manière générale, on dit très rapidement pour le moment. J'ai mis un picadon, c'est un dépôt. J'ai mis un objet en dépôt à garder chez un gardien pour qu'il le surveille, qu'il le garde, qu'il ne se perde pas. Et lorsque je vais réclamer mon dû, le voisin me dit, je ne te connais pas. Et moi, je me retrouve maintenant, je ne récupère plus mon argent. Ben, j'ai le droit de lui imposer de jurer. Et selon des cas de figure, d'accord, on apprendra. En tout cas, je l'imposerai de jurer. Là-bas, maintenant, dans toute Shvuat Apikadon, on parle que de réclamation d'argent, puisqu'on parle d'un dépôt d'argent, d'un dépôt de bien. Ouais, je donnais un objet précieux à garder. Puisque là-bas, on parle d'argent. Alors là, il y a une Xera Shava. Ouais, c'est une des formes par laquelle on étudie la Torah. C'est une transmission. Que d'apprendre à partir d'un mot utilisé dans une paracha avec un autre mot utilisé dans une autre paracha, la Torah les a juxtaposés pour déduire la halakhot de l'un pour l'autre et de l'autre pour l'un. D'accord? De ce fait, on va prendre techeta, techeta. Il y a un mot techeta qui a été dit dans la Shvuat Haedut et un mot techeta qui a été dit dans la Shvuat Apikadon. Adam qui yecheta, je ne sais plus comment c'est dit, je n'ai pas le passé pour cœur. Oh, on va pas, ça va arranger pour rien. D'accord, il y a marqué le mot techeta, faites ma confiance, faites confiance au Barthénois, pas avant. Le Barthénois, il a dit, il y a marqué techeta dans la Shvuat Haedut, techeta dans la Shvuat Apikadon. On apprend Xera Shava pour déduire que, autant que dans Shvuat Apikadon, on parle que de réclamation d'argent,
Idem pour la Shvuat Haedut, on ne parle que lorsque les témoins vont nier un témoignage de réclamation d'argent. D'accord ? Le Bar Tanoura nous dit qu'un tel m'a promis de me donner l'argent. Dirtiv, mais Shvuat Haedut, Techeta. Parce que pour la Shvua des témoins, il a marqué un abalamor Techeta. Vektiv, Bejot Apikadon, Techeta. Il y a aussi écrit dans la Shvuat Apikadon, dans la parasha de la Shvuat Apikadon, celui qui nie avoir reçu un dépôt d'argent ou de biens, alors il y a écrit Zolomo Techeta, pour t'apprendre que Ma Shvuat Apikadon, Alziat Mamon, Sheyeshlo Al Chavero, autant que pour la Shvuat du Pikadon, du dépôt, alors on parle bien sûr que d'une réclamation d'argent qu'un tel a chez l'autre. Af Shvuat Haedut, Tsarir Shetiye Alziat Mamon, Sheyeshlo Alav. Idem pour le serment des témoins, il faut que qu'il nie un témoignage chez Tiyad Viat Maman chez Shalab, un témoignage où il y avait une réclamation d'argent d'un tel chez l'autre. Et celui-ci qui réclame que un tel m'a promis qu'il allait me donner, mais pour le moment j'ai pas d'argent chez lui, je dépends de ses grâces. S'il décide d'être de mauvaise foi et de ne plus me les payer, je lui dois rien, je ne pourrais pas lui faire sortir l'argent par le Bet Din. D'accord ? Donc, celui-ci qui a dit, qui affirme que l'autre lui a promis de lui donner de son shekel, il n'a pour le moment pas de l'argent récupéré chez l'autre. Car même s'il était vrai que l'autre lui avait promis de lui donner de l'argent, il a dit l'autre qu'il allait lui donner 200 zouz malgré tout. L'autre ne lui doit finalement rien. Bishvil Amirazo, il ne lui doit rien pour ces paroles qu'il lui a dit. De ce fait, il n'y a pas ici une vraie réclamation d'argent. Même si cette fois-ci il me cause une vraie perte et l'autre m'a assuré. Pire que ça, si ça vous intéresse, il y a un Tosot Yom Tov qui rapporte au nom du Nimoké Yosef, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'était Nimoké Yosef. En tout cas, on parle même d'un cas particulier, même si celui qui réclame, le plaignant, est en fait un pauvre, et l'autre c'est un riche qui a fait pris sur lui de lui donner 200 zouz par Issour Neder. Il va transgresser un grave interdit. Malgré tout, puisque ce n'est pas de l'argent que je peux aller moi le saisir s'il ne veut pas me le payer, le Bedi ne veut pas lui le saisir, on va le stimuler à accomplir sa mitzvah, mais le Bedi ne va pas saisir, puisqu'il n'y a pas ici un Chiouv Mamon, un droit chez lui, de ce fait, ce n'est pas considéré comme une réclamation d'argent, et donc le fait d'avoir nié le témoignage n'est pas ne condamne pas à la Shvuah au Korban de la Shvuah Haedut. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.